Gros coup de gueule sur l'attitude qu'a en ce moment Jonathan Majors vis-à-vis de sa condamnation en justice. Petit rappel des faits, Jonathan Majors a été condamné pour avoir agressé et harcelé son ex-petite amie. Depuis, il a été viré de Marvel, donc de son rôle de Kang, et là, il commence à faire la tournée des popotes en donnant des interviews. Seulement voilà, dans ces interviews, on aurait pu penser qu'il allait faire un mea culpa. Je me suis trompé, je n'ai pas eu la bonne attitude, cette condamnation me servira de leçon, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, en interview, en ce moment, il dit qu'il ne comprend absolument pas sa condamnation, qu'il n'a rien fait, que la justice se trompe et que c'est un scandale ce qui lui arrive. Et moi, je suis outré, oui, le mot est choisi, de cette attitude. Pour moi, c'est totalement anormal qu'il n'arrive même pas à se rendre compte de la situation. Le seul fait tangible à l'heure actuelle, c'est qu'il a été condamné par la justice, il est donc coupable de cette agression. Et au lieu de ça, il se fait passer pour une victime. Non, Jonathan Majors n'est pas une victime et il devrait faire une rétrospection au lieu de montrer tout le monde du doigt.